2 Chroniques chapitre 12. Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. La cinquième année du règne de Roboam, Shisha, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Il avait 1200 chars et 60 000 cavaliers. Et il vint d'Égypte avec lui un peuple innombrable, des Libyens, des Sukiens et des Éthiopiens. Il prit les villes fortes qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors, Shemaaja, le prophète, se rendit auprès de Roboam et des chefs de Juda qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shisha et il leur dit « Ainsi parle l'Éternel. » Vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi, et je vous livre entre les mains de Shisha. » Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent, « L'Éternel est juste. » Et quand l'Éternel vit qu'ils s'humiliaient, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaaja. « Ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas, je ne tarderai pas à les secourir, et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shisha. » Mais ils lui seront assujettis, et ils sauront ce que c'est que me servir ou servir les royaumes des autres pays. » Shisha, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit les boucliers d'or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain, et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs venaient et les portaient, puis les rapportaient dans la chambre des coureurs. Comme Roboam s'était humilié, l'Éternel détourna de lui sa colère et ne le détruisit pas entièrement. Et il y avait encore de bonnes choses en Juda. Le roi Roboam s'affermit dans Jérusalem et régna. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naama, l'Ammonite. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Les actions de Roboam, les premières et les dernières, ne sont-elles pas écrites dans les livres de Shemaaja le prophète et d'Ido le prophète parmi les registres généalogiques? Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David. Et Abija, son fils, régna à sa place. C'était votre lecture quotidienne de la Bible proposée par le Centre Média Adventiste. Disponible en replay sur cma.adventiste.pf.